Précédemment dans Secret Story, les habitants de la petite maison ont réintégré la grande maison. Regarde. Allez, ça va d'arriver. Laissez-le. Ah, régale. Nicolas a été mis au défi par la voix. Nicolas, pendant 48 heures, tu ne devras plus prononcer un seul mot. Sache que chaque mot prononcé te fera perdre 200 euros. As-tu tout compris? J'ai une dernière question. Nicolas, moins 200 euros. Bon, écoutez les gars, pour notre plus grand bonheur, Nicolas ne peut plus parler. C'est la mission la plus dure de deux. À vous, tu galères là. Oh non. Quelle sera la réaction de Claudia et des autres habitants face au retour des aventuriers de la voie? Et quel habitant quittera définitivement l'aventure ce soir? Les réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. C'est la suite de Secret Story. Merci de passer cette soirée et une partie de la nuit en notre compagnie. Vous êtes bien en direct sur TF1 et c'est un plaisir de vous retrouver. Sans plus attendre, je vous propose de nous rendre dans la maison pour découvrir enfin l'arrivée de Kevin et Mélanie. Ils viennent de Dubaï, ils vont enfin rentrer dans la maison des secrets. Alors à part Claudia, je vous rappelle que personne ne sait ni qui ils sont ni d'où ils viennent. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Connexion, c'est parti, l'entrée de Kevin et Mélanie. Bon. Vas-y. Par où on va là? Viens, par là. Par là. C'est la classe ici. C'est sympa. Dis-moi, vous avez rentré les poules là. Elle a pas une robe pratique pour arriver là pour. Vas-y, viens. Ils font pas d'efforts pour les accueillir, les pauvres. Il faut qu'ils défoncent la porte tout seuls comme des grands. Ah, je jure. Bonsoir à tous. Il y a du monde ici. Bonjour Tony. Bonsoir. Kevin. Voilà. C'était lui qui est venu. Je vais faire. C'était lui. Hein. Tu me connais déjà? Ben oui, parce que sur les habits, il était marqué Kevin, tu vois. Sur tes habits à toi. Tu regardais déjà partout, toi. Bonsoir. Oui, ça va. Claudia. Bonsoir. Merci. Charisma. Enchanté. Ton prénom? Alia. Alia. Bonsoir. Et toi? C'est la bise? Non. Salut. Bonsoir. Ah, il me la bise, lui. Ok, ça marche. Bonsoir. Ok. Kevin? Il peut pas parler, lui. Ok. Ça y est, la maison. Kevin? Je te fais la bise. Il y a trop de gens qui font connaissance, c'est très compliqué ce soir. Kevin? 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 Ouais, en même temps, il faut qu'on fasse le tour, quoi. Moi, je t'en isolement. Kevin? Je sais pas du tout. Ouais? Ouais. Enchanté, bah, tout le monde. Bon, vous allez nous montrer un peu quand même. Vous êtes rentré tard, une semaine après. Ben en fait, si tu veux, la semaine dernière, on a essayé de venir et tout. J'ai couru, j'ai raté le bus. Ah, ok. Oh, dis donc, il va nous faire des bonnes vannes, le Kevin, je pense. Hein. Elle était bien, celle du bus, là. Non, c'est mort, et voilà. Et. Elle dit, mais en fait, vous rentrez après tous les vendredis. Bah, on vous fera visiter. On a attendu. Du coup, on sait pas si on peut bouger ou pas. Ils sont pires que mes vannes, les gars. C'est pas du tout, parce qu'on attend la voie, on peut leur faire visiter ou pas? Ça veut dire non. On va donc laisser Kevin et Mélanie faire connaissance avec les 14 autres habitants. Car ça y est, la maison affiche enfin complet. Mais ça ne va pas durer, hélas, car dans quelques minutes, je vous rappelle que l'un des nominés quittera définitivement l'aventure. Et c'est à vous de décider. Dépêchez-vous pour voter, dernière minute pour vous, il vous reste 2 minutes par SMS au 72 500. Envoyez le numéro de l'habitant que vous voulez absolument sauver dans l'aventure. Pour Alia, c'est le 1, pour Claudia, le 2,
Pour Coralie, vous composez le 3. Pour Jonathan, le 4. Pour Nicolas, le 5. Pour Tony, c'est le 6. Et enfin, le 7, c'est pour Vanessa. Vous nous envoyez vos SMS au 72 500. Il vous reste 2 minutes, montre en main, pour voter et pour sauver votre habitant préféré. Allez, maintenant, c'est l'heure de retrouver notre autre personnage préféré de Secret Story. Une boule bleue avec de grandes jambes, là, vous savez. Un peu mauvais esprit, hein, qui sévit tous les jours à mes côtés dans le débrief sur NT1 à partir de 18h. Je ne parle pas d'Adrien Lemaître, hein, même s'il sévit avec moi. Mais bien sûr, de celui qui se cache derrière, c'est Mister Secret. Hey, coucou. Coucou. C'est l'heure de Mister Secret, la grosse boule bleue qui... commente l'actualité avec, voilà, avec un humour plutôt décalé. Exactement, Arthur. Et pour cette première, Mister Secret a décidé de frapper fort. Vraiment très fort. Aïe. Bon, tout le monde est prêt? Même José, là, dans le public, en bas à gauche? Yeah. Bon alors, s'il est prêt, mon José, on y va. Encore plus exigeante que Princesse Leila l'année dernière... Achetez-nous des chaussettes, le pressing, ils n'auront pas des chaussettes. Mais pourquoi je donne des chaussettes, elles n'auront pas des chaussettes, ce pressing de merde. Découvrez Princesse Charisma et ses requêtes incessantes au confessionnal. Alors, est-ce qu'il serait possible de donner des nouvelles à ma maman et de lui demander de me prendre des affaires aussi? Des claquettes, des vestes, des jolies vestes, hein, vous lui dites. Du vernis. Et comment on fait aussi pour souhaiter un anniversaire? Et le vernis, c'est quand? Quand est-ce qu'on va recevoir le linge? Pour passer des messages d'anniversaire, c'est comment? Est-ce qu'il serait possible aussi de prendre rendez-vous pour les soins? Est-ce qu'il serait possible d'avoir une nouvelle ceinture à accrochage de micro? Et aussi, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous avez de la crème Arnica? Arrête de nous rendre fous! Avant, j'avais des chicots pouraves, et à cause de ça, je n'avais pas d'amis. Je n'osais pas sourire en société. Mais ça, c'était avant que je découvre le dentifrice Blanco White Ultra Blanc. Grâce à Blanco White Ultra Blanc, vos dents retrouvent l'éclat et la brillance qu'elles n'ont jamais connues. Essayez Blanco White Ultra Blanc et vos chicots seront plus blancs que blancs. Quoi? Bah, les chicots, les dents, quoi. Ah, les chicots, c'est une dent. Et voici tout de suite la recette de Mister Secret. Prenez une femme blonde, ajoutez-y ce serpent. Voilà, mélangez bien. On shake, on shake, on shake. Et vous obtenez ça. Et bon appétit, bien sûr. Et comme les habitants, Mister Secret participe lui aussi à la chasse au secret. Voici donc les buzz de Mister Secret. Et pour commencer, Mister Secret pense que le secret d'Alia est, je répète tout ce que je dis plusieurs fois. Je me dis, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Je réfléchis. C'est elle. C'est sûr, c'est elle, c'est elle. Mister Secret pense que le secret de Nicolas est, je me prends pour un rappeur quand je résous les énigmes de la voix. Vas-y. Conseil, milliard, pingouin, bronze, validation, collection, 30, mensonges, damier. 91 représente, spécial dédicace. Et voilà, Mister Secret, c'est fini pour cette semaine. Bonjour. Non, là, normalement, il fallait dire au revoir, Rémi. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. Allez, on se quitte avec les images insoutenables de ce micro qui perd la vie sous nos yeux. Merci, à vous aussi, au revoir. Merci. Au revoir. Une pensée émue à ses proches. Allez, on va s'arrêter là. Et c'est certainement mieux, comme ça. Mon Dieu, un micro décapité par une mini-jupe. C'est terrible ce qui se passe dans Secret Story. Alors, ça y est, vous avez voté, vous avez fait votre choix. Ce soir, il est temps pour les nominés de quitter la maison des secrets. Connexion, s'il vous plaît. Et en fait, mais on a tous... Rebonsoir à tous, mes amis nominés. Comment ça va ce soir? Alors, je sais que vous êtes tous en train de faire connaissance, d'autant que deux nouveaux habitants viennent tout juste de vous rejoindre. Mais il est déjà temps pour les 7 nominés de dire au revoir aux autres et de rejoindre le SAS. Et oui, ça va vite. On vous laisse quelques instants pour dire au revoir. Mais il y en a qu'un, à la fin, il y en a qu'un qui doit sortir. On ne sait pas. Mais non, vous allez tous revenir. Bon courage. C'était pas l'envie.
Et voilà, ils disent au revoir à leurs camarades. Allez, direction le SAS maintenant. Des bisous, des larmes, des effusions, des bons sentiments. C'est ce qui va se passer dans le SAS dans un instant, mais c'est aussi ce qui va se passer tout de suite dans le premier épisode de votre série préférée. Vous étiez fan d'Amour Secret, hein, la saison précédente, évidemment. Évidemment. Eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Amour Secret, saison 9, ça commence tout de suite. Regardez le premier épisode. Je suis beau grand. Allez, on se connecte tout de suite avec un candidat mystère. Vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous avez quel âge, cher candidat? J'ai 45 ans. Très bien. Alors, avant qu'on vous découvre, pouvez-vous nous révéler votre secret? Oui, mon secret est... Je me suis fait piquer ma place par un petit con. Ah, eh bien, découvrons tout de suite qui vous êtes. Ah, excellent. Oh, merde. Salut les bolos, ici la voix. Puisque l'expérience des 36 questions n'a pas bien marché sur Coralie, la voix vous propose de la tenter une deuxième fois. C'est parti mon kiki, lolilol. Alors Coralie, est-ce que tu veux sortir avec moi? Non. 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 Alors, tu veux sortir avec moi? Ben non, toujours pas. Ici la voix. Bonjour Claudia. Alors je pense que si on prend les lettres du mot bonjour et qu'on remplace le B par un P, ça fait bonjour, ce qui en japonais se prononce sudkak. Et si on regarde le mot sudkak dans un miroir au lever du soleil, on obtient le mot cactus. Je pense donc que la solution de l'énigme est Kevin et Mélanie vont faire du rodéo. C'est ça la voix? Mais il n'y a pas d'énigme Claudia. Je te disais juste bonjour. Lolilol. Vanessa, tu viens du Nord, toi? Du Nord? Tu te fous de moi, là? Je suis une Parisienne pure souche, moi, là. T'habites dans quel quartier? Pas loin du Vieux-Port, là. C'est à Marseille, ça. Ouais, je voulais dire à côté du grand truc en fer qui pique, là. La Tour Eiffel? Ouais, voilà. Ok, bon, je te crois. Dernière question, c'est quoi ton film préféré? Bah, Bienvenue chez les Ch'tis. Pourquoi, Bilou? Salut Charisma, tu vas bien? Non mais réponds-moi, tu vas bien ou pas? Oh mais tu es fada ou quoi? Bon, j'arrête de parler, tu es chiante. Ça part très très bien. Ça part vraiment très très bien cette nouvelle saison d'Amour Secret. Évidemment un nouvel épisode à retrouver dès la semaine prochaine dans l'hebdo de Secret Story. Bien. Tout de suite, je vais encore une fois réaliser un fantasme. La semaine dernière, j'ai parlé pour la première fois à la voix. Ce soir, pour la toute première fois de mon existence, je vais appeler un homme incontournable de Secret Story. Il s'agit de... Alors, ils ne vont pas me faire l'effet en régie, donc je vais le faire tout seul. Maître Moya. Maître Moya, vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Maître Moya, ravi. Voilà l'enveloppe. Merci beaucoup, tout s'est bien passé. Comme d'habitude. Oui mais alors moi j'ai pas l'habitude encore, mais comme d'habitude alors. Comme d'habitude, c'est très bien passé. Merci beaucoup Maître Moya, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est un bonheur de vous rencontrer, c'était rapide mais c'était bon. Hein. Pas mal, je suis ravi. Bien, nous allons tout de suite nous connecter avec le SAS pour annoncer le résultat des votes. Au nominé, j'ai l'enveloppe entre les mains. C'est parti.
Mes amis nominés, est-ce que vous m'entendez ce soir, la grande maison? J'ai l'enveloppe avec moi. C'est le premier sas de la saison. Évidemment, ça n'est pas le meilleur moment pour moi non plus. Je vais annoncer mon tout premier éliminé. Et ça va être le premier éliminé, évidemment, au bout de seulement une semaine de jeu. Vous êtes 7, seulement 6 continueront l'aventure ce soir. C'est difficile, évidemment, car vous venez de passer une semaine ensemble. Vous avez déjà créé des liens, vous avez appris à vous connaître. Mais ce soir, ce sera déjà terminé, cette aventure, pour l'un d'entre vous. Le public a voté. Il en a soutenu certains, plus que d'autres. En tout cas, il a fait son choix et le public a forcément toujours raison. J'ouvre l'enveloppe tout de suite. J'ai le nom de, du candidat ou de la candidate éliminée ce soir. Nous allons tout de suite proposer à un ou une candidate de revenir dans la maison. C'est une fille qui continue l'aventure. Elle est habillée en noir ce soir. Il s'agit de Coralie. Coralie repart dans la maison des secrets. Dites au revoir à vos camarades. L'un d'entre eux ne rentrera pas dans la maison ce soir. Allez Coralie, on se dépêche. On fait des bisous à tout le monde. Hop, Coralie, direction la maison. La deuxième personne à rentrer ce soir dans la maison. Il s'agit d'un garçon. Et c'est Tony qui rentre dans la maison. Tony! Bravo Tony, vous rentrez dans la maison des secrets. Vous êtes encore 5. Mais il n'y a que 4 places, je vous le rappelle. Le troisième habitant à rentrer dans la maison des secrets est une habitante. Cette habitante s'appelle Claudia. Claudia rentre dans la maison des secrets. Ça se resserre, plus que 4. Et seulement 3, bien sûr, vont continuer l'aventure Secret Story ce soir. Qui sera le premier éliminé aujourd'hui? Claudia, je vais vous demander de rentrer dans la maison, s'il vous plaît. Allez, hop, hop, hop. C'est fini, les baci, Claudia. Grazie mille, bella. La prochaine personne à réintégrer la maison, c'est un garçon. Il s'agit de Jonathan. Jonathan rentre dans la maison des secrets ce soir. Qui sera éliminé ce soir? Nicolas, Alia, Vanessa? Jonathan, vous rentrez dans la maison. Eh oui, mais c'est dur, mais c'est long. Allez, hop, 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 on dit au revoir. Jonathan, rentre dans la maison tout de suite. Le stress grimpe, évidemment. Vous êtes 3, plus que 2 places. La prochaine personne à réintégrer la maison des secrets est une fille. Alia, vous pouvez rentrer ce soir dans la maison des secrets. Alia, saluez vos camarades, Nicolas ou Vanessa. L'un d'entre eux ne repartira pas dans la maison ce soir. Je rappelle que Nicolas ne peut pas parler. Hein. Nicolas n'a pas le droit de répondre. Je l'aime pas. Car il a une mission de la voix, il n'a pas le droit de s'exprimer. Il vous reste donc 2 candidats. L'un d'entre vous deux ne va pas retourner avec ses camarades, avec les autres habitants de la maison des secrets. Nicolas s'est fait quelques ennemis cette semaine, il a beaucoup parlé. Vanessa est plutôt bien intégrée dans la maison des secrets. Mais qui le public a-t-il désigné pour rentrer dans la maison ce soir? La personne qui rentre ce soir dans la maison des secrets est... Nicolas! Vanessa, je suis désolé. Non, 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 ressortez du sas. Ça y est, c'est le bazar. Non, je te jure. Les filles, je sais que c'est pas évident, mais il faut se dire au revoir maintenant. Je te jure, touche mon cœur. Alia, vous m'entendez, Alia? Il faut retourner dans la maison, je suis désolée. Vanessa doit nous rejoindre sur le plateau de Secret Story. Vas-y, fais attention à toi.
Des petits bisous avec Claudia, gâtée, avec Alia. On peut faire ça super, plus souvent. Putain, viens, viens. Une semaine, mais déjà des liens très forts qui sont créés, évidemment. C'est toujours difficile de se séparer de personnes avec qui on a vécu une aventure aussi forte. Même quelques jours, c'est une aventure très forte que vivent nos candidats dans Secret Story. Je te jure, allez, t'inquiète. Ça, je peux faire un bisou, je peux ? Allez, allez, Vanessa, Vanessa, vous me rejoignez sur le plateau de Secret Story, s'il vous plaît. Dans un instant, Vanessa sera donc avec nous sur le plateau de l'After, aux côtés de ma camarade Julie Taton, avec Leïla et Adrien Lemaître. On aura le plaisir de retrouver également notre invitée Nadège, la star de la saison 6. Elle nous donnera son avis, nous racontera des petits secrets d'anciennes candidates. Et évidemment, on se connectera avec la maison pour ne rien rater de la fin de soirée des habitants, du live, de l'inédit. C'est tout de suite, ne bougez pas, c'est loin d'être tout pour le moment. On se retrouve avec Vanessa tout de suite sur TF1 en direct, bien sûr, restez avec nous.